Bonjour, dans cette vidéo sur l'utilisation de Windows Live Messenger 2009, je vais vous montrer comment installer ce programme qui est donc un logiciel de messagerie instantanée gratuit. Cette formation fait suite à la formation du téléchargement. Nous allons donc reprendre au stade où nous en étions dans la précédente vidéo. Nous avions donc utilisé notre dossier de téléchargement pour effectuer un double clic sur l'icône présente dans le dossier de téléchargement et ensuite cette fenêtre était apparue. Vous avez la possibilité dès à présent d'installer Messenger uniquement, d'installer les emails également, ce que nous allons faire, et les galeries de photos. Vous avez l'espace qui est nécessaire pour pouvoir installer Windows Live, c'est-à-dire 137 mégas. Nous allons cliquer sur Installer. Ici, il est procédé à une recherche des programmes ouverts et vous commencez à voir le processus de progression globale avec le pourcentage effectué. Pour chacun des composants de Windows Live, l'installation va être plus ou moins longue puisque 137 mégas prend un certain nombre de temps pour être installé. Je vous retrouve dans quelques instants. Donc, en fonction de ce que vous avez prédéfini à l'installation, soit Messenger, Mail et la galerie de photos, il vous faudra environ 41 minutes pour pouvoir procéder à l'installation. Vous pouvez maintenant définir votre page d'accueil et prendre MSN par défaut, ou alors choisir de décocher. Et si vous le désirez, vous pouvez choisir le moteur de recherche Bing comme moteur par défaut. Ici, je vais décocher avec le clic gauche et je vais appuyer sur le bouton Continuer. La formation sur l'installation à proprement parler du logiciel est maintenant terminé. C'est à vous.